comment j'ai fait, mais je suis tombée et je suis atterrée ici. Et j'ai super mal à la tête. Est-ce que je peux entrer, s'il vous plaît? Aïe. Oh, mais bien sûr, entrez, bien sûr. Merci beaucoup. Aïe. Merci beaucoup. Allonge-toi, allonge-toi, repose-toi, fais comme chez toi. Je vais aller te ramener un petit torchon mouillé. Merci beaucoup. J'espère que ça va mieux comme ça. Bon, il faut que je te laisse, je vais filer, je dois juste vite fait aller au magasin et j'ai un rendez-vous aussi. Bah, j'y vais vite fait et après on en parlera de tout ton problème. Allez, au revoir. Merci mademoiselle, à tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est?
Elles sont trop bizarres, ces chaussures. Elles sont dorées. On dirait qu'elles sont en or. Oh! Merci beaucoup. Alors, ça va? Tu vas mieux, j'espère? Alors, on va parler un petit peu toutes les deux. Je veux retourner chez moi, mademoiselle. Tout est ici tellement bizarre. Alors, raconte-moi d'où tu viens et pourquoi tu as un drôle de déguisement? Tu viens d'un carnaval ou quelque chose comme ça? Un carnaval? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est un carnaval. Je connais pas ce mot. Un carnaval. Bah dis donc, t'es tombé fort toi, hein? Bah, tu sais même pas ce que c'est un carnaval. Bah, je m'habille comme ça tous les jours. C'est ma mère qui m'a acheté cette robe. Tu portes tes robes tous les jours? En fait, j'habite dans un château et j'étais juste sortie dans mon jardin. Bah juste pour courir un peu, pour prendre l'air. Et j'ai voulu monter sur une statue et je suis tombée par terre et là je suis atterrie dans un endroit bizarre avec des escaliers et j'ai vu votre porte. Donc j'ai tapé là-bas et j'avais rien d'autre à faire. Et en plus t'habites dans un château avec un grand jardin? Bah dis donc, tu t'es bien cognée toi hein. Alors tu dois être une princesse, j'imagine. Une princesse de 18e siècle. D'accord, je vais essayer de t'aider, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on réfléchit bien, tu t'es cogné la tête et à cause de ça, t'es apparu dans notre monde. Donc tu dois te recogner pour revenir chez toi. Ah mais oui, c'est vraiment parfait ça. Ah, je sais. Attends, reste ici, tu peux jouer avec le truc rose là. J'arrive, tu vas voir. Thank you.
c'était vraiment un rêve magnifique et vraiment trop magique. Et franchement, cette fille, elle était tellement gentille, j'aimerais la voir pour de vrai. Dommage que tout ça, ce n'est qu'un rêve. Waouh ! Ça veut dire que ce n'était pas un rêve ! Je vais aller le dire à maman et papa !